Merci d'être resté fidèle à ma chaîne YouTube. Pour faire un bon croissant, nous allons verser le lait en poudre dans un bol, de préférable un bol en plastique. Ensuite, nous allons y ajouter une petite quantité d'eau tiède pour éviter que notre lait forme les bobos. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager la vidéo. N'hésite pas aussi de cliquer la cloche de notification, cette cloche qui est juste à côté d'abonner. Ici, je manque un peu de tout, que ce soit nourriture, yaourt, jus, gâteau. Et je réponds à tous vos commentaires. Nous continuons en augmentant de l'eau tiède au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous avons mis tout notre 1 litre d'eau tiède dans environ 250 g de lait entier. Le tout est de bien tourner et de bien remuer si nous voulons avoir un lait lourd, propre et sans bouboule. Après avoir bien tourné et après avoir mis suffisamment d'eau, nous allons tamiser. Pourquoi tamiser notre lait? Nous allons tamiser notre lait puisque en bas, il y a toujours les petits bouboules de lait qui restent. Dans le sucre que nous allons ajouter, il y a souvent les petites taches noires, les fourmis. Alors, je vous conseille de toujours tamiser beaucoup plus en yaourt avant de le conserver, avant de partir, avant de les laisser fermenter. Maintenant, nous allons au yaourt. Un pot de yaourt est bien remué. Ensuite, nous allons mettre aussi le sucre et bien remué pour que le sucre ne reste pas au fond. La quantité du sucre dépend de tout un chacun. Après avoir fini, nous allons fermer nos seaux de yaourt. Nous allons les conserver dans un endroit chaud, par exemple dans la cuisine, à côté du frigo. Et personne ne doit toucher ou bien ouvrir nos seaux saut de yaourt avant 10 heures à 12 heures de temps. Donc, c'est préférable de le faire surtout la nuit. Et l'épaisseur du yaourt dépend de la quantité d'eau. S'il y a beaucoup d'eau, elle ne sera pas lourde. Merci d'être fidèle à Cuisine Variée. À bientôt pour la suite. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cuisine Variée. Si vous avez aimé, pourquoi pas mettre un like si ma vidéo vous a aidé. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aidez aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.